salutations, la communauté. Yeah. Salam à vous. Connectez-vous. Connectez-vous, s'il vous plaît. Connectez-vous. Et on va jamais laisser ce combat-là. On ira jusqu'au bout. Oui, il faut qu'on termine ce combat-là. On ne peut pas commencer le combat et qu'on s'arrête au beau milieu. Jamais. Jamais de la vie. Il faut qu'on termine ce combat-là. Donc, la communauté, connectez-vous et essayez de partager, s'il vous plaît, la vidéo massivement. Partagez la vidéo. Car c'est vos partages que la nouvelle génération peut avoir la conscience de faire quelque chose. Oui, mais si vous ne partagez pas les vidéos et je ne vous impressionne pas de partager la vidéo, c'est votre droit de partager la vidéo parce que on réclame notre droit, on réclame notre victoire. Donc, votre combat, c'est de partager massivement, s'il vous plaît, la famille. Il faut encore partager la vidéo parce que le message est très, très, très important. Et on ne va jamais abandonner ce combat-là. On ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. En tant qu'il n'y aura pas la justice, et rendre à César ce qui appartient à César. On n'abandonne pas le combat-là. Donc, bref, le chizé c'est quoi? Je lance un appel noble à mes parents soussous, à mes parents soussous de se réveiller, à mes parents soussous de soutenir la victoire de Ella Seloudel Ngallo. Oui, mes frères et sœurs et mes parents soussous, quand vous voyez qu'aujourd'hui on est là, dans ce niveau-là, c'est parce que vous ne vous manifestez pas. Il faut que vous manifestez, il faut vous manifester au moins à 100%. À 100%. Je ne vous appelle pas de la violence, mais je vous appelle au moins de réclamer vos droits, la victoire de Ella Seloudel Ngallo. C'est ça qui est notre objectif. Notre objectif, c'est pas de la haine. Notre objectif, c'est pas de la guerre. Mais notre objectif, c'est rendre à César ce qui appartient à César. Donc, les soussous, si vous voulez finir avec ce régime-là, cette barbarie qui est en train d'appauvrir les soussous aujourd'hui, c'est d'aller démanteler les rails. Est-ce que vous comprenez? C'est d'aller démanteler les rails, one by one, un à un. Vous démantelez les rails. Les gars, essayez de partager la vidéo, s'il vous plaît. C'est démanteler les rails. Oui, c'est démanteler les rails, les gars. Regardez, on commence d'abord par Bofa. Bofa. Les Bofoka doivent démanteler les rails. Et les Bokeka doivent démanteler les rails. Les Kindiaka aussi. Et Kundara, etc., etc. Tout le monde en Basse-Guinée. Vous, les soussous, démantelez les rails one by one. One by one. One by one. Essayez de vous mobiliser fortement. Fortement. Aujourd'hui, le président, son excellence, Ella Seloudel Ngallo, il est en prison. Il est en prison. Le peuple, vous êtes où? La population guinéenne, vous êtes où? C'est nous tous qui avons voté pour lui. C'est nous tous qui avons dit que oui, vive l'alternance, vive Ella Seloudel Ngallo. Donc, essayez de vous mobiliser. Essayez encore de sortir pacifiquement, d'aller libérer le président, son excellence, Ella Seloudel Ngallo. C'est ça notre objectif. Notre objectif, ce n'est pas la guerre. Notre objectif, ce n'est pas la haine. Mais c'est d'aller libérer le président, son excellence, Ella Seloudel Ngallo.
C'est ça notre combat. Après la libération du président de la République de Guinée, le deuxième terme, c'est quoi? Merci frérot, merci. Man, on est ensemble toujours. C'est quoi le deuxième terme? Le deuxième terme, c'est rendre la justice à les Guinéens. C'est rendre la justice à les Guinéens. Nos frères qui ont perdu la vie comme des poulets. Nous tous, nous avons vu que oui, cette armée ne peut pas défendre la population guinéenne. Et si la population guinéenne ne se mobilise pas 100% jusqu'au fond, on est foutu. On est foutu. Je vous dis bien, on est foutu. Essayez de partager. Au vidéo, partagez. Partage la famille, partage. Donc, peuple de Guinée, on doit prendre notre destin en main. Laisse l'armée guinéenne faire ce qu'elle veut faire. Laisse l'armée guinéenne faire ce qu'elle veut faire. Notre combat, c'est quoi? Notre combat, c'est réclamer la justice. C'est réclamer la justice pour le peuple souverain. C'est fini. Et puis, je vous dis quelque chose, mes frères et sœurs. Arrêtez d'appeler la CEDEAO. Arrêtez d'appeler la communauté internationale ou quoi. Il faut que nous, les Guinéens, on se mobilise fortement. Parce que nous tous, on a vu la CEDEAO. Ce qui s'est passé au Mali, on a vu. On a vu ce qui s'est passé au Mali. On a vu le rôle que CEDEAO voulait jouer au moins au Mali, de donner, de remettre le pouvoir encore à Ibeka. Nous tous, nous avons vu ça. Donc, laissez la CEDEAO tranquille, et la CEDEAO ne peut pas nous convaincre. Et bravo Kotoselou, l'acte qu'il a posé aujourd'hui, le fait qu'il a refusé de partir, d'accepter la réunion, la réunion de comment elle s'appelle, la CEDEAO. Donc c'est très bien, c'est très très bien. C'est ça Kotoselou, man. C'est ça. Parce que Sékouba Konaté, le général, il vous a toujours dit que oui, que la seule chose chez Seludel Ngalo, c'est le courage. Maintenant, il a pris le courage. C'est nous, le peuple, qui doit le soutenir maintenant. Parce que trop c'est trop, la famille. Réveillez-vous maintenant. Il est temps de vous réveiller, la famille. Il est temps de vous réveiller. Donc réveillez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Surtout, nous, la basse-côte, réveillez-vous. Et on doit soutenir, et là c'est Seludel Ngalo, massivement, je vous dis, tous les vrais soussous. Je pense bien, tout le monde a vu la réaction des vrais soussous. Je ne parle pas les soussous vendus, je ne parle pas les soussous qui veulent leur intérêt, je ne parle pas les soussous qui veulent demander toujours de remplir leur poche, non. Mais les vrais soussous, nous tous, on a vu leur réaction sur les réseaux sociaux, sur le terrain, un peu partout. Donc, c'est ça qu'on appelle soussous. Et la famille, le combat continue.
Le combat continue, je vous dis, jusqu'à la nouvelle ordre. Jusqu'à la nouvelle ordre. Si vous ne voulez pas la pagaille en Guinée, tout simplement, c'est d'aller dire à Alpha Condé, l'ex-président, de remettre le pouvoir au nouveau président, c'est fini. Nous, on n'a pas demandé un grand chose en Guinée. On n'a pas demandé un grand chose. On a juste demandé, Koro, ah Koro, tu es fatigué avec ton âge. Vous ne pouvez plus supporter. Donc, ton petit frère est là, Kotosel est là. Pourquoi tant de jalousie? Pourquoi tant de haine? Donc, ton petit frère est là, c'est ton petit frère. Remets-lui le pouvoir, on va lui regarder, lui aussi au moins, un mandat. Même si ce n'est pas trop, un mandat seulement. Un mandat seulement. Voilà, mais le problème, ce n'est pas Alpha Condé. Le problème, les gars, ce n'est pas Alpha Condé. Le problème, ceux qui entourent Koro, c'est eux.